Et bien salut tout le monde, on se retrouve encore pour du World of Tanks. Et donc cette fois, comme je suis tier 5 sur du tier 7, je vais me faire défoncer. Peut-être que vous ne verrez pas cette partie ici, mais c'est pas grave. Donc là en fait je joue encore forcément avec le Panzer 4 vu que j'essaye de débloquer le tier 6 qui me donnera accès au tier 7 Tigre 1. Parce qu'en fait avec le Panzer 4, Panzer 4H, il faudrait préciser, on peut débloquer deux tier 6. Et alors un tier 6 donne accès au Tigre B et l'autre au Tigre 1. Et moi je préférais avoir le Tigre 1 et j'ai déjà débloqué en fait le tier 6 qui donne accès au Tigre P. Donc il me faut un peu d'XP, aussi il me faut d'argent aussi pour débloquer et ensuite acheter l'autre tier 6 qui me donnera accès au Tigre 1. Merci. Ça va, on voit que tu regardes. Pourquoi il se barre tout? Bon, je ne comprends pas là les tanks lourds qui ne vont pas de... Enfin ici dans le choke point, dans le goulot d'étranglement, parce que au moment c'est là qu'ils doivent aller. Et ensuite, avec l'artillerie qui les aide, mais non. Voilà, donc là on a un T-34. Bon bah GG, c'est propre. Faire défoncer, faire défoncer. Voilà. 5, 2, voilà. Alors T-50, je sais pas trop ce que c'est. Je regarde à côté, T50. C'est un tier 5. Et le M4 à 3E8, c'est quoi? À 3E8, c'est un tier 6. C'est quand même pas de la rigolade. Et je l'ai raté, bravo. On va se déplacer pour l'arty. Bravo. Je crois que c'est un allié qui a tiré sur le. Ah bon, tant pis. Essayer de remplacer le T-34. Oula, KV1, ça va être un gros morceau. Ça. Je l'ai raté. Je fais de la merde, je fais de la merde. Et il s'est barré. Moi, ça a ricoché par contre. C'est pas mal. Pour ceux qui connaissent les BD, ricochet. Lui ça va, il peut pas trop me transpercer. Ça va être compliqué ça. Je vois qu'on est, on dirait, en train de perdre. Ouais, un petit peu quand même. Nos gros chars lourds sont fait défoncer à droite. Je me prépare à reculer, hein, parce qu'il y a encore le KV1 et tout qui va peut-être me défoncer. Bah voilà. Ah, il est raté quoi. J'étais à 2 mètres. Toujours pas. Est-ce qu'un jour je vais arriver à le toucher? Non plus. Bon, moi je me fais des points avec le ricochet, ça c'est déjà pas mal. Touché. Elle peut casser à tout moment.
Voilà! Ramasse! Putain. Ramasse. Vas-y, ose encore te montrer, mec. Ose! Voilà! Ça, c'est fait. Allez, on se tire. Alors, le Hummel, donc c'est l'artillerie qui a détruit notre artillerie, bravo. Ouais. Peut-être pas génial pour nous ça. Peut-être pas, hein. C'est pas sûr, hein, mais c'est peut-être pas sûr. Hop là, attention, T-34. En train de perdre. On va se faire attaquer par derrière, ça c'est sûr certain. Voir par l'autre côté là aussi, je vais mourir, je vais me prendre un autre coup, et voilà. Un tiers 7 forcément qui m'a eu. Alors, il reste le T-34-2GFT, qui est très mal mis. Et notre artillerie, qui est finie aussi. L'artillerie. Il n'a pas encore bougé alors que l'artillerie sait qu'il est là. Hein. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et on a perdu. Et voilà. Alors, je vais voir quand même le nombre de points que j'ai. Je pense que j'ai quand même pas mal de points parce que j'ai fait beaucoup de ricochets. Enfin, j'ai pas choisi de les faire, mais heureusement, il arrivait pas trop à me transpercer. Et j'ai quand même réussi à faire pas mal de dégâts. Dans les 500-600, je crois. Ah bah non, que 400! 26, 143, 283 en 2. Ah, ici lui par contre, là. Voilà, si le jeu veut bien ne pas. 420 dégâts bloqués par le blindage. Par oui, non pénétration. Du T50. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Voilà, avec 252 points d'expérience, je suis deuxième, quoi. Bravo! Enfin voilà, c'était très nul, mais voilà, je suis deuxième donc je vais le garder. C'est déjà ça, pour vous montrer qu'on peut pas tout le temps gagner, hein, même si on essaye plus ou moins de jouer pas trop mal. Il y a aussi l'équipe de l'autre côté qui s'est fait éclater, donc bon, j'ai pas su trop faire renverser la vapeur, mais bon, c'est pas grave. Donc sur ce, je vous dis, non pas à la prochaine vidéo, mais à la prochaine bataille que je garderai. Parce que si je me refais défoncer comme ça, je vais pas la remettre, puisque ça sert à rien de mettre que des défaites non plus. Hein. Allez, à toutes. Et voilà, on se retrouve pour, j'espère, la deuxième partie. Je vais partir du côté du château. Alors, où est le pont? Juste là. Ok, vas-y, passe. Vas-y, avance, 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 avance. Avance. Fonce, fonce, fonce. Merde. James Stuart. On va se faire tirer dessus. Par contre, le Stuart a déjà pris le truc, ça c'est pas bon, et on a déjà une perte. Ah mais, ça met pas devant moi s'il te plaît. Ça s'il avance, je peux lui tirer dessus.
Et je l'ai raté, bravo. C'est magnifique comme je l'ai raté. Dégâts par détection, est-ce qu'ils ont détruit le truc? N'ont pas détruit le. Est-ce que le Stuart est détruit? J'ai pas l'impression, j'ai pas vu. J'ai été remarqué. Ça serait peut-être bien par là aussi que ça ne m'étonnerait pas. Vas-y, tire-moi dessus. Non. Excelsior, ça c'est quoi? C'est un tank lourd, ça va. Ça c'est bien. Ah, deux destructions. Là, ça joue plus ou moins bien. Oula, ça c'est de l'artillerie, j'imagine. J'ai pris quelques dégâts, j'ai dû me réparer donc je ne pourrai plus le faire. Mais ça valait le coup. Je l'ai raté quoi. Voilà, 3 tirs. Pas 3 tirs, 3 destructions. Et là j'ai vu le Stuart qui a été détruit aussi, le P38. NA, c'est celui juste avant ça. Là. Je viens de voir que le NO était juste là. Voilà. Raté. Alors on n'est plus que 6 contre 7, on n'a plus d'artillerie. Et eux par contre ont encore leurs deux artilleries, mais ce serait bien d'aller les tuer. Casse-toi, 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 je vais me faire tirer dessus, je le sens. La question c'est est-ce que je vais aider... Pour notre base, pour la base ennemie, je crois que pour notre base ça peut être pas mal. Non, ok, il a été détruit, il en reste 5 contre 5. Allez, on y retourne. On peut le faire, on peut gagner une partie en ayant 3 kills, ça serait bien. trois contre 4, ça s'annonce mal, et je crois qu'il leur reste leur 0-1 XP, ouais, expérimental. Je sais pas trop quoi en faire là. Oula, il est là. Genre comme ça? Non. Ah! Bien joué, bien joué. Bon. Il reste l'expérimental qui était au centre. Alors on va se protéger avec la tour. Il en reste deux. À mon avis, ils sont de l'autre côté ou en ville. À mon avis, l'expérimental il est encore en ville. Voilà ce que je me disais. Ça, c'était joli. Ça, c'était joli. Est-ce qu'il y aurait moyen que j'ai 4 kills? Non! Bon, tant pis. Et le dernier, voilà, je me doutais bien qu'il était là. Allez, on y va, on y va, on y va. Il reste le Matilda. Ah, Matilda.
Voilà. GG, je peux enfin garder une partie. Mon équipe s'est pas fait laminer. Enfin. Ça fait du bien. Alors, je lui ai fait combien de dégâts? 383, une moyenne de 90 divisé par 3, je ne sais pas trop. Bref, va de 200. 83, donc c'est presque 130 quelque chose, 131? Non. Bref. 7 dégâts et détruit, 118 dégâts détruits, 29 et détruit. Ils m'auront bien fait chier, je lui ai détruit moteur, suspension et blessé le pilote de char. Ok. Et ils ont reçu des dégâts par la détection. Tiré pour détruire. Troisième, c'est quoi? Meilleur que 50%, ouais, c'est pas génial. Et je suis quatrième en points. Ça reste tout à fait acceptable. Alors d'abord, par contre, je veux faire le calcul du. Donc c'est 100. Le 3 c'est 1. Et alors 80. 60 c'est 20. Ensuite il reste 18 c'est 6. Donc 6,6. Donc 127,6. Faudra que je vérifie ça. 127,6. Enfin bref. Soyez heureux, j'espère. Bah, de toute façon, je vous le souhaite. J'espère aussi, oui. Enfin bon, bref, soyez heureux.